bienvenue sur Miraken Univers. Nous allons nous attaquer ici à un jeu que je considère comme culte, qui est Dead Space, et qui va avoir droit à son remake au mois de janvier, donc le 23. Et à cette occasion, je me suis un petit peu remis sur l'original en fait. J'avais pas joué depuis des années. Et ici, on s'ambiance tout doucement avec l'intro. C'est un jeu vraiment qui a beaucoup d'inspiration cinématographique. On va évidemment les évidentes sont Alien. Donc les Alien 1, Alien 2. Le vaisseau de l'angoisse. On peut aussi évidemment penser fortement à The Thing. Vous avez sûrement beaucoup de temps à rattraper. Mais voilà, pour un jeu qui est sorti en 2008. Synchronisons notre orbite. Tout ça pour un gros morceau de caillou. C'est un jeu qui aura marqué l'industrie du jeu vidéo. Et J7 est une vraie mine d'or et ça intéresse du monde. Cobalt, silicium, osmium. Dès son introduction en fait. Bon, où est-elle? La voilà. Destination en vue. C'est donc ça, l'Ishimura. C'est l'USG Ishimura, plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Caporal, faites-nous approcher et saluer. Et évitons le champ de débris. Nous venons réparer leur vaisseau, pas faire le ménage. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kalyon, envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Oui, je sais. Augmentons le signal s'ils sont à court d'énergie. Plus. Ces engins ne peuvent pas perdre tous leurs moyens de communication comme ça. Vous croyez qu'avec 1000 personnes à bord, aucune ne peut décrocher ? Qu'est-ce que c'est? Un circuit grillé, comme on le pensait. À l'entendre, on dirait un problème d'encodeur. Allons-y avec Isaac, on pourra réparer. 48 heures au max. Ok, c'est compris. On y va, allons réparer ça. Recherche gravité enclenchée. Atterrissage automatique à venir. Bordel de... Chef, l'autopilote! Qu'est-ce qu'il y a? On dérive, nous allons heurter la coque! Sur les boucliers! Le rayon tracteur et HS, passez en manuel, vite! En plein champ magnétique? Vous êtes malade? Allumez! Non! On peut y arriver! Caporal, ceci est un ordre! Isaac Clarke. Isaac. Half the Ishimura's in the red. Engines, hull, the trams. Can you handle it alone? Fix the centrifuge. Get the fuel running. This is Senior Medical Officer Nicole Brennan. Medical is overwhelmed. We need help. humanity will be made whole, Mr. Clarke. With or without you. Voilà, nous voici sur Dead Space version 2008, et oui, 2008, ça fait 14 ans. Et la première chose qui m'avait marqué, c'est à quel point le jeu a bien vieilli, vraiment graphiquement, au point où, franchement, limite il n'y aura pas eu de remake, mais juste un léger remaster, ça aurait suffi en fait. Mais je suis impatient de voir ce que le remake va donner. Alors ici on est au tout début, c'est d'ailleurs une scène, enfin ici c'est une pièce qu'on voit dans le remake. Et on peut s'apercevoir vraiment de tout le travail qui a été fait au niveau des ambiances, etc. Il y a beaucoup plus de nuances au niveau des ombres, etc. Mais déjà pour l'époque, vous voyez en 2008, le jeu était déjà vraiment beau quoi. Deuxième... Donc ici je vais vous énumérer en fait ce qui fait que c'est un jeu culte pour moi mais aussi pour beaucoup de gens. Alors déjà c'est le fait de démembrer les ennemis comme ça avec le cutter. Au lieu de bourriner bêtement sur la tête d'un ennemi par exemple. Ça c'était révolutionnaire. Quelque chose d'autre c'était... l'aspect diégétique, c'est-à-dire, vous voyez ma santé, elle est représentée à l'écran via le tube bleu que vous voyez sur mon dos. Ça, c'était révolutionnaire. Et tout ce qu'on va voir dans le jeu, donc les vidéos, etc., ça va être fait via l'écran qu'on voit devant Isaac, oui, parce que le héros s'appelle Isaac Clarke, Isaac Asimov, bon voilà, petite référence, s'il en fallait une. Mais pour revenir à... au sujet, en fait, tout ce qu'on voit, donc diégétique, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit, les hologrammes, les vidéos, les audiologues, etc., c'est incorporé à la combinaison d'Isaac. Ce qui favorise énormément l'immersion. Vraiment, ça a été une révolution à l'époque, parce que c'était le premier jeu à faire ça. Vous voyez ? Là on voit que c'est via la combinaison qu'on écoute le dialogue. Autre chose, mais vraiment, alors ça j'étais impressionné. Encore maintenant, évidemment il faut jouer au casque hein, ce jeu. C'est le sound design qui est divin, mais vraiment, c'est une leçon. Je peux pas croire que t'es ici. Isaac. On en a croisé d'autres sur le chemin. Tout va bien? D'autres quoi? C'était quoi ces choses? Cet équipage? Baissez d'un ton. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dangereux. Et la moitié des portes est verrouillée à cause de la quarantaine. On doit rejoindre la passerelle. Mais d'abord, il va falloir qu'on répare le tram. Vous êtes fous. Hammond, vous allez tous nous faire tuer. Si vous faites ce que je dis, vous sortirez d'ici vivant. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Le disque dur est grillé, mais il doit y avoir un double à la maintenance. Il y a aussi une rame bloquée dans le tunnel qui a besoin d'être réparée. Bon sang, tout ce qu'il nous faut est de l'autre côté de cette zone de quarantaine et on ne peut pas y aller d'ici. Nous, non. Mais vous, oui. Isaac, si on rejoint la passerelle, on devrait pouvoir accéder aux fichiers du personnel. Vous réparez le tram et on cherchera Nicole. Alors ça, c'est le début d'une longue série de... Isaac, vous allez pouvoir nous aider en faisant ci. Isaac, vous allez pouvoir nous aider en faisant ça. Mais l'histoire vraiment est vraiment bien. Et elle prend même... Enfin, après j'ai peur de spoiler, mais... la fin est assez surprenante en fait. Vraiment. Sans vous en dire plus. Surtout que beaucoup vont découvrir le Dead Space, donc premier du nom, avec le remake. Donc je préfère vous spoiler le moins possible. Mais l'histoire vraiment prend des... vraiment est intéressante et prend un tournant vraiment assez inattendu. Et j'espère que ça, le remake va respecter. Il y a aussi une chose qui est pour moi hyper importante au niveau de Dead Space, c'est... bah d'abord, je vais énumérer justement la principale inspiration de Dead Space. Au niveau des films, c'est évident, hein, c'est Alien, c'est le vaisseau de l'angoisse, c'est évidemment The Thing de John Carpenter. Mais au niveau des jeux, en fait, il y a un autre jeu d'action qui a révolutionné vraiment quelques années auparavant le genre, c'est Resident Evil 4, qui lui aussi va avoir droit à un remake. Et en fait, et ça je l'avais oublié, mais en fait dans Resident Evil 4, tout bon jeu d'action qu'il soit, donc TPS, il a vraiment révolutionné les TPS, etc. Voilà, ici vous voyez la mécanique. Alors, faut savoir que pour les besoins de la capture, j'étais en mode... là, je crois que j'étais en mode facile. Mais croyez-moi, vous allez compter vos munitions. Bon, je reviens à Resident Evil 4 parce que je digresse, comme d'habitude. Resident Evil 4, eh bien, en fait, on ne pouvait pas tirer et se déplacer en même temps. Donc, le créateur, donc... J'espère que je n'ai pas écorché son nom, de Dead Space, donc c'est Glenn Schofield. Ben, adoré, il a reconnu l'influence de RE4 et il adorait Resident Evil 4. Mais pour apporter un petit peu de dynamisme, enfin beaucoup de dynamisme et de réalisme à Dead Space, il a fait en sorte qu'on puisse se déplacer donc en tirant. On peut donner des coups de pied qui vont être très utiles pour casser les caisses et économiser des munitions. On peut... Voilà. Tu vois, vous voyez, le corps et la tête ne font rien. Donc là, on vous a introduit les mécaniques de base. Vous voyez, je suis encore au tout début du jeu. Regardez-moi ces ambiances. Enfin, vraiment, là, j'étais en 4K, donc... 4K 60 FPS, vraiment le jeu est très très bien vieilli, honnêtement. Même s'il faut reconnaître que pour 2008, il s'était, comme je l'ai déjà dit, il me semble, c'était un jeu en avance sur son temps, sur plein de choses, et même graphiquement aussi, c'était une tuerie. J'avais la chance d'avoir un PC à l'époque, je crois que c'était mon tout premier PC gamer, et quand j'ai vu le jeu tourner, j'ai fait waouh! Voilà, la stase, c'est la stase ici qui va vous... Donc ça, vous voyez, il y a une jauge en forme d'arc de cercle. Donc juste à la droite du dos de Isaac. Et bien voilà, là aussi, c'est pas illimité. Vous voyez un peu ce qui vous reste en fait. Les munitions, pareil, les munitions, vous voyez, les munitions... C'est un hologramme en fait. Vous voyez les munitions sur l'arme, mais c'est un hologramme. Plein d'idées comme ça, vraiment excellentes. Mais qui ont été reprises d'ailleurs dans les suites de Dead Space. Je vais tout de suite le dire. J'aime. Pour moi, Dead Space, le premier du nom, est le meilleur de la trilogie, clairement. Et ben voilà, je vais pas m'étendre plus. Et je trouve même que les deux suivants affaiblissent justement ce Dead Space 1 en fait. Mais je peux pas en dire plus parce que je vais vous spoiler. Donc vous voyez la jauge de stase, et non pas de plasma comme je l'ai dit au début de la vidéo. Elle est en rouge, donc ça veut dire qu'il me reste plus beaucoup de... Et ça, on le voit d'un coup d'œil, quoi. C'est vraiment... Et donc, comme je disais, donc l'inspiration RE4 est évidente. Vraiment, on est sur la continuité d'un jeu d'un TPS d'action, hein, RE4 d'horreur. Essaye avec ton module de stase, il devrait être utile sur ce mécanisme. mais avec un personnage qui peut bouger en tirant, mais il bouge vraiment, on ressent vraiment le poids de son équipement en fait. Et ça, évidemment, j'espère que ça va être maintenu, je pense que ça va être maintenu dans le remake. C'est-à-dire que on se déplace très lentement et on a l'impression d'avoir les bottes de plomb de Zelda en fait. Si vous vous souvenez, Zelda quand on a of Time, les bottes de plomb, ben, on a l'impression de les avoir sous le temps. Mais il y aurait aussi des énigmes à base d'apesanteur, etc., qui sont vraiment excellentes, notamment des passages magnifiques à l'extérieur de... quelques passages à l'extérieur de l'Ishimura, donc le vaisseau. Bah, ici je coupe les membres, mais ne surtout pas tirer dans la tête ou le torse. Après, c'est un TPS d'action, mais votre premier new game, croyez-moi, si vous le faites en normal, vous allez compter vos munitions, parce qu'il est, pour le coup, il est beaucoup, je trouve qu'il est moins tourné vers l'action que RE4, mais beaucoup plus sur l'ambiance, le sound design, vraiment, il est incroyable. Le sound design, jouez-y avec un casque. Je ne peux qu'insister sur le sound design parce que c'est un travail incroyable qui va même nous faire questionner sur le scénario en fait. Hein. Vraiment, entre les certaines visions, certains sons, enfin voilà, je vais pas en dire plus pour ne pas spoiler. C'était le travail que Visceral Games avait fait donc à l'époque, vraiment encore, enfin c'est une leçon hein, en termes de sound design encore aujourd'hui. Maintenant, la question du remake, déjà je me pose la question, au-delà d'une refonte graphique, qu'est-ce que le remake va apporter? Parce qu'il a l'air assez fidèle à celui-ci. Donc c'est des questions qui me restent vraiment en suspens. Sachant que celui-ci, comme vous le voyez, il a encore un bête remaster aurait suffi, hein, grâce si c'était juste les graphismes. Donc je suppose qu'il y aura des améliorations de gameplay, mais après amélioration de gameplay ça implique aussi un déséquilibre. Faut pas que le jeu devienne trop action non plus, parce que comme je vous le dis, c'est un jeu qui est beaucoup plus orienté vers l'ambiance que vers l'action, beaucoup plus donc qu'un Resident Evil 4 hein, qui est vraiment son modèle. Et vraiment le vaisseau, ça c'est limite cliché de dire ça, mais le vaisseau est un personnage à part entière en fait. Vraiment, vous allez arpenter le vaisseau, en deux. Tout le vaisseau qui est quand même assez grand. Et chaque salle, ça va être vraiment... Vous allez vraiment y aller sur la pointe des pieds, parce que entre le sound design, les munitions qui sont pas nombreuses, voilà, ici c'était une partie que j'avais new game. Vous voyez le travail hein, effectué visuellement. Voilà. Tout est fait pour vous mettre mal à l'aise dans Dead Space. On est vraiment dans un jeu d'horreur spatiale. Alors il y a une mécanique dont que j'ai montré à l'écran, mais je n'ai pas vraiment expliqué. C'est la mécanique de guidage, entre guillemets. Je sais pas si j'ai la capture. On va voir ça sur la capture. Oui, voilà, ici. Vous voyez, il y a une ligne holographique qui va se mettre lorsque vous appuyez sur une touche. Qui va vous montrer où vous devez aller. Ce qui fait que le jeu, vous allez rarement vous perdre. Il est très très linéaire dans sa progression en fait. On pourrait prendre ça pour un défaut, mais c'est le prix à payer pour avoir une expérience vraiment, bah pour le coup, viscérale. Hein. C'est le cas de le dire. Et avoir des jumpscares super bien travaillés, vraiment pour le coup, ça, là... Alors voilà, ça implique une linéarité, mais aussi le fait qu'on est constamment sous tension en fait. Et ça vraiment c'est un des gros points forts du jeu. Donc je suppose que dans le remake ce sera la même chose, c'est-à-dire que le jeu sera quand même relativement linéaire. Mais voilà, c'est le prix à payer pour avoir des moments incroyables. Voilà. Je peux vous dire quand vous êtes en train de jouer au casque comme ça et vous entendrez des bruits et ça c'est encore ce n'est rien. Bien, vous comprenez pourquoi ce jeu est considéré comme culte. Maintenant, honnêtement, pour moi, est-ce que ce Dead Space avait besoin d'un remake? Honnêtement non. Pour moi, après avoir rejoué à la version PC, en tout cas si vous avez un PC, honnêtement il n'avait pas besoin de remake. Maintenant, voir ce que le remake va apporter. Sachant que, voilà, je pense de toute façon ce sera pas la claque que Dead Space a été en 2008, ça c'est clair, mais s'il y a une refonte graphique et des améliorations, je ne sais pas, hein, au niveau du gameplay ou peut-être des nouvelles zones, je suis peut-être un peu naïf, mais j'espère. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas, et j'attends ce remake impatiemment. Et ça va d'ailleurs être assez intéressant de voir l'autre TPS des années 2000, hein, qui est RE4, qui lui aussi va avoir droit à son remake. C'est quand même une sacrée coïncidence que ces deux TPS cultes aient un remake cette année-ci. Enfin, cette année-ci, bientôt. Et ça va... Autant RE4, je pense qu'il y avait besoin d'un remake, autant Dead Space, on verra. Seule l'année 2023 nous le dira, ça rime, c'est mon côté musicien qui revient. Mais en tout cas, je vous souhaite d'ores et déjà mes meilleurs voeux, une très bonne année et un bon réveillon. Mais vraiment mes meilleurs voeux pour cette année 2023 qui... va s'annoncer très riche en tout cas au niveau des jeux vidéo. Allez, ciao, c'était Miraken.